So some more senior and junior races, the last ones of the day, in fact. X30 senior, we got four heats, two of each. Two from the seniors, two from the juniors coming up. But first, we get our first look at X30 Mini. And the drivers are getting ready. Qualifying practice coming up for them. These are the youngest drivers, Bruno, that we have here this weekend. And also the first time that they are appearing at this event. Oui, les X30 Mini maintenant pour une séance qualif. Là, cette fois, ce sont vraiment les kids, hein, les babies que l'on va retrouver sur ce circuit international de karting du Mans dans les tout prochains instants. Just remind how old they are approximately. Very, very young, of course. Yes. 10, yes, 11, yeah, 12. Yeah, around that age, yeah. Oui, on va dire que c'est quelque part les 10, 11, 12 ans qui sont les pilotes que l'on va retrouver dans les tout prochains instants pour le rappel aussi des précédentes séances, notamment Giovanni Trentin qui avait réalisé l'un des meilleurs temps, mais on avait eu ce matin au warm-up John Norris qui avait tourné en 52 secondes. Hier, Giovanni Trentin était dans un petit peu plus d'une minute. On peut naturellement aller encore plus vite. Bref, dans tous les cas, tiens, par exemple, parmi les pilotes qui ont eu la gentillesse de remplir leur fiche, on va prendre l'exemple de Mathis Capuccio qui vient de Saint-Tropez. Very famous sunny city in France, you know, Saint-Tropez, yeah, along the Mediterranean. Yeah. He's only 9 years old. Il a seulement 9 ans. Mathis Capuccio, on va le saluer. C'est un pilote Sonic Racing à 3PZ avec Spirit Racing Cars, Spirit Racing Kart, vice-champion de France minime 2017. Et puis il y a également Italien, 10 ans, Barioli Edward Milanais, 10 ans mais déjà 5 années en karting. Il est moitié Italien, moitié grec, il adore faire du bateau et il a un passeport anglais. Amazing, because Barioli Edward, only 10 years old, his country is supposed to be Italia, but in fact, is half Italian, half Greek. He loves sailing and has a British passport. Ah. So he's a European driver, in fact. Yes, yes indeed. Voilà pour ces petits clins d'œil que l'on peut ainsi passer aux pilotes juniors que l'on va retrouver, vraiment les mini en fait devrais-je dire, dans les tout prochains instants sur ce circuit international de karting du Mans. Et puis pour vous qui nous regardez également sur la chaîne YouTube de ces finales internationales IAMA 2017, n'oubliez pas que vous pouvez aussi revenir toute l'année ici, le circuit international, le circuit Alain Prost, qui fait aussi office maintenant de circuit loisir. Il y a le bâtiment le 24 avec les simulators, les simulateurs. Quelle que soit la météo, elle est idéale ce week-end, mais on peut toujours venir se faire plaisir avec des cartes pour de vrai sur le circuit Alain Prost, sinon même ce circuit international de karting du Mans, mais aussi donc dans le fameux simulateur. In fact, I say to everybody that whatever is the meteo, in fact the weather forecast, you can come, you can drive on the Alain Prost racetrack, just a yes, neighbor or just in a just right next, yes, right next to us, isn't next it? To yeah. from this international go-kart circuit, and of course a simulator room. You can play with five other drivers. I mean, six drivers can you know, race each other with a simulator system. Yeah, yeah, you same carts, isn't it? Yes. And they use it actually for an event called the Sony World Series. So it's actually used for a world corporate event. So it's a good circuit in that sense. And it is. Yeah. As well as come to watch the racing, of course, you can go on there as well. So, and see the big track, of course. And see the big track, yes. So, lots to do, but this is where this is the main place, the international kart circuit. As we've got some carts being recovered, the mini drivers waiting. They're going to be the first time we see them in an official capacity, really, because they arrived much later than the other classes. It was only yesterday that they were first on track, and they had some practice sessions yesterday, some more today, and that means today, this afternoon, there they are getting ready. We're going to be going out for qualifying, so qualifying today.
And then we see them actually racing tomorrow. If you are here just to watch X30 Mini, then they'll be out. Their first heat is at 12:15 local time tomorrow. And they have their second heat at 55 minutes past two. And at 4:30, they have their third heat. And on Sunday, they have their pre-final at 11:35. And they have their final at 10 minutes past two. The good thing is that they will all make it through to the final, so there's no case of some drivers missing out. They're getting ready to go on the grid now. 10 minutes they'll have to try and put in a good lap time, and I think the green flag is being prepared to be waved here to tell them they can go on to the circuit. Pretty much still running to schedule, though we've had that incident earlier, a couple of incidents and one or two other slight delays this morning due to weather, if you can believe it or not. We're still pretty much on the timetable. After X30 Mini, we have two heats for X30 Senior, two for X30 Junior. So we'll have two heats for each class. It will be X30 Senior out first, then Juniors, and then Seniors again, followed by the Juniors. And we finish the day with Heat 3 for X30 Super Shifter, and then X30 Super will have their third heat. That will be the last on-track action for today. Tomorrow it's literally all going to be racing, all going to be heats. All classes will be out at some point throughout the day, so going to be a busy day tomorrow. There's about 27 races tomorrow alone. I mean, over the weekend I haven't actually counted how many there has been, but there is a lot of races to get through. And then Sunday C-finals, B-finals, pre-finals, and the finals. Circuit. Allez, c'est parti. We'll run through the entry list, shall we, for this one. C'est donc parti à l'instant pour les pilotes X30 Mini sur ce circuit international Karting du Mans, et l'occasion bien sûr de refaire dans un petit instant aussi le détail des premiers chronos qui vont forcément s'afficher. Voilà. Allez, top départ. Et c'est pilote à, on va dire, avec fort numéro, parce que là on est avec les numéros 800 et quelques. Picard Orlandi, plutôt, qui est à l'origine de la présence de Hugo Gutschkou. Pas évident de le prononcer, hein, le nom de cet Italien. How do you say Hugo? Hugo Gutschkou. Mieux, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Mohamed Alapsi est également là. Santiago Trisini pour les pilotes de la délégation France. Mathis Capuccio, rappelons-le, porte le numéro 810. La présence également dans ce même groupe de quelques pilotes belges. On peut notamment saluer Sita Van Mert, une jeune fille dans ce plateau, avec également Amaury Mertens, la présence aussi de Kimi Abraham, et la présence aussi de pilotes venus d'Italie, Sultana Doman, Amérique, Espagne, Finlande, Pérou, Émirats Arabes Unis. La Hollande est également dans la course, l'Estonie, la Finlande, la Suisse, et je pense qu'avec le Danemark, le Portugal et même la Thaïlande, nous aurons fait part de toutes les nationalités pour les pilotes qui sont ainsi représentés dans ce même plateau. Là, on est donc parti en séance qualificative, rappelons-le, en séance chronométrée pour 10 minutes. Encore 8 minutes devant nous, pas encore de chrono à vous communiquer. Il faut laisser à ces pilotes le soin de boucler encore un tour complet de ce circuit international de karting du Mans. Et on va dire que c'est sympa, c'est de voir ces enfants, parce que là, ce sont vraiment des juniors. Qui pèsent rien sur ces cartes à leur taille. Oh. Naturellement, ils n'ont pas terminé leur croissance, et ça n'empêche que des fois, on peut avoir quelques contacts en milieu de piste. Yeah, not too sure what happened there, but a bit of an incident. That's everyone coming around. That's going to affect their lap times. Hugo Chukwu should be a big contender this weekend. Very, very quick driver is Hugo. As
went into the X8 Euro Series for one round this year and basically won everything. So he's going to be quick. Amari Niertens should be another quick driver as well. Likewise, Bart Loeb has won some races this year that I have been at. Amari Niertens, likewise. So there. Diego Larroque was a world champion last year in Micro Max and won the Rotax Max Challenge Grand Finals, the American. So Diego Larroque, one to watch as well for the PDB Racing team. The American should be up there somewhere. Et c'est de Kei Chun-Cheng dont il était question en plein milieu du circuit qui était rentré en contact avec un autre pilote, a perdu malheureusement du temps avant de pouvoir repartir, c'est quand même fait. Et Ken Oscar Algré, le pilote estonien du ex Racing Team, a le premier chrono référence pour l'instant en 1 minute 3 secondes, 164 millièmes. Le deuxième chrono est pour le pilote émirati Rachid Al-Daeri en 1.03.262. Et le troisième chrono revient à l'italien Aiden Lupifieri avec un passage en 1.03.325. Voilà pour le tiercé de tête après ses premiers instants et des difficultés 831 me semble-t-il. Qui avons-nous vu? Aurais-je mal lu le numéro? Un pilote Wellens, c'est Yavan numéro 831 qui était un instant passé au ralenti au niveau de la ligne droite d'Estrand. Really, we've got all the best upcoming drivers in the X30 Mini that I'm sure over the years we'll see move up to X30 Junior and Senior and so on. This is the first time they've been at the IAMI International Final. We did have X30 Minis at the IAMI International Open at Castelletto earlier in the year, which was a great event. Great to have the X30 Minis there. Now we've get them at the IAMI International Final and a healthy grid of them as well. Currently all out there trying to set the best lap time they can to get them as high up the grid as possible. This qualifying session will determine where they start for all three of their heats. So it's quite an important one. You don't want to have any incidents like we have seen already. You want to try and get a good lap time. I've noticed that they are all spreading themselves out across the track. They're not too keen about following each other. Oh, oui, un pilote parti en tête avec lui qui va se remettre dans le droit chemin. Dommage du temps perdu, c'est tout. Ken Oscar Algré, toujours le leader. Ken Oscar Algré qui a tourné en 1 minute 3 secondes et 164 millièmes vient donc d'améliorer. Pilote estonien, rappelons-le. Belle amélioration également derrière du pilote émirati Rachid Al-Daeri en 1.03.262 et pour l'instant c'est Aiden Lupifieri de Le Siren Team qui est en troisième position. Et on va voir ce qu'on est pour l'instant notre Frenchie, on va le revoir tout de suite. Alors voyons voir, on va dire que pour l'instant on est avec 843 me semble-t-il. Alexander Panev, non il est italien. Il est pour l'instant en 15e position. Et avec le numéro 810, Mathis Capuccio. Voilà, on vient de le retrouver. Mathis Capuccio, pour l'instant, figure à la 23e place du classement. Oui, on va juste attendre un tout petit peu. Voilà, avec un changement de leader à l'instant, Rachid Al-Daeri, numéro 804, qui réalise un tour en 1 minute 945 millième, alors qu'il reste dans cette séance d'essai quelques 3 minutes 5 secondes avant la présentation du drapeau à damier. Mathis Capuccio pour l'instant, 25e. Allez Mathis, il faut le faire mieux. 1-0-1, 631, on l'encourage. Oh, there we go, it's changed, isn't it, Santiago? Bassini has just gone to the top, the American. Three Americans within the top four. They are going to be quick this weekend. They're going to be hard to beat. As Santiago Bassini goes to the top. Rashid Al-Daeri is now second from the UAE, Rashid. Santiago, now, imagine he probably would have cut the track somewhere to get that time, or maybe had an incident at a corner and rejoined the track elsewhere.
and was 20 seconds quicker than everyone else until they refreshed the time. But still, second is Rashid, so we'll take that, I imagine. Ugo Chukwu is going to be quick. Diego Larocque has already won a world final of some sort, so Diego Larocque is going to be very strong when it comes to the racing of these events. He's going to be very confident, there's no doubt. Ah, Barclou goes to fifth place. And we've just had another Dutch driver come into the top five as well. And, Otting has come into second place. And the Estonian, it's changing all the time now, isn't it? Matteo Rubio Luengo has just gone to the top of the timesheets with a 60.725. Santiago Tresini second, Sergio Ruiz is in third place. Matteo Rubio l'Espagnol qui vient de prendre l'avantage sur Santiago Tresini, le pilote américain, pour l'instant deuxième avec un dixième d'écart, avec je dirais même 8 centièmes en faveur de l'Espagnol Matteo Rubio numéro 830 en 1 minute 725 millième. Santiago Tresini, l'Américain, donc à la deuxième place en 1 minute 807 millième. Sergio Ruiz, un autre Espagnol, pas mal, ça nous fait deux Espagnols dans le tiercé de tête. Sergio Ruiz et le troisième, 1 minute 915 millième. Alors que Nathan Otting, le numéro 877, un pilote néerlandais du PDB Racing, devance pour l'instant alors qu'il est quatrième. Diego Larocque, autre pilote américain, numéro 800. Diego Larocque qui vient de rétrograder d'une place puisqu'on a l'amélioration du pilote batave Nathan Otting qui réalise un tour en 1-01-183 qui s'empare de la cinquième position. Pour Mathis Capuccio, la séance n'était pas aussi évidente qu'il y paraissait. Il est pour l'instant 26e. Not long to go, is there? Less than 30 seconds now left on the clock, so they'll be about to start their last laps, but as soon as that clock hits zero, the checkered flag will fly. So the drivers we can see on screen, I think, may just sneak across the line. It's going to be very close as they come out the last corner. Yes, they all get across the line in time. 3, 2, 1. Yeah. Oh, well, some of them didn't make it, I don't think. But next across the line, and definitely going to take the flag, was the 18-5, I think. I also don't know if that was Kimi Abraham, but four drivers coming across the line. Can anyone beat the time of Matteo Rubio Luengo? 60.725. Santiago Tresini looks safe in second for now. Brent Cruz is in third at the moment. Sergio Ruiz, the result already up. Some drivers still on their last laps, but at the moment, that's what the result looks like. Oui, drapeau damier, fin de la séance d'essai. Matteo Rubio l'Espagnol bien parti, sauf amélioration bien sûr d'un pilote rival dans le dernier tour de cette séance d'essai, mais bien parti pour être le meilleur temps. 1 minute 725 millième. Santiago Tresini, l'Américain et son compatriote Brent Cruz, bien parti pour être 2 et 3e en 1 minute 722 millième pour Santiago Tresini, le 803, en 1 minute 819 millième pour Brent Cruz avec le numéro 811. Un autre Espagnol, Sergio Ruiz, pour la 4e position en 1 minute 915 millième, et la 5e place pour Nathan Otting avec le numéro 877, pilote néerlandais du PDB Racing Team, en 1 minute 919 millième. Rachid El Daeri, Maximus Maier, Ken Oscar Algré, qui était pourtant parti en nous offrant un peu un festival. Ken Oscar termine 9e position, c'est déjà bien. Bart Plug, numéro 814, néerlandais du team CRG Kerzee Racing, termine lui en 10e position dans un classement qui nous aura permis de voir Mathis Capuccio, le pilote du Spirit Racing numéro 810, décrocher. On va juste y revenir dans un petit instant avant le break. On y reviendra plus tard. Voilà, en tout cas, c'était une belle séance d'essai. À tout de suite.